Du coup, bien, salut les amis. Une petite Darrowstone, c'est comment cette style en vrai? Apparemment, de la pire voiture. Plaisir. Du coup, et bien, on va partir pour le Grand Prix. J'espère que vous allez bien. Ça doit être l'épisode 21, je dirais, pour YouTube. Hop, pour le deuxième Grand Prix de Rio. Puis après, après cette course, on aura un sponsor. Ok, les pièces c'est bon. Donc Théo n'est pas content, mais bon, écoutez, on peut pas. À un moment, Théo, faut prendre à se calmer et puis faire des bonnes performances parce que bon. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Pour l'avant-dernière manche de ce championnat du monde de Formule 1, c'est la saison 2022, je crois. Ou plus, peut-être, je sais pas. Ou 2023, peut-être. 2023, je sais pas. On va voir si ça va mieux se passer qu'au dernier Grand Prix. On aurait pu en vrai marquer des points, mais les pneus se sont un peu écroulés. Donc on va voir. Il y a moins de tours. Voilà, ok, les lâches va. Au niveau du délestage, évidemment, on déleste pas mal d'endroits avant. Et le rond, on en avait un nouveau. Mais bon, il est pas encore fiable ni vraiment pas à la course. Je crois qu'il y a deux tours de moins sur cette épreuve là. Il doit être un poil plus long le circuit, mais ça peut peut-être nous arranger. Voilà, on est bon. Hop, voilà, on est bon. Je vais revoir rouler. Alors, évidemment, Dourcalif, les ultra tendres. Dourcalif, les ultra tendres. Et puis on est parti, les amis. Puis j'espère que vous êtes chauds. Et que on va marquer des points. Parce que clairement il nous faut des points. On n'est pas si mal que ça, mais et voilà quoi, il y a quand même une sacrée bataille. Bon, Ferrari va gagner, évidemment, il y a une bataille entre McLaren, Mercedes et AlphaTauri. Et nous on est toujours à la lutte avec Red Bull, Aston, Williams et nous-mêmes. Et derrière Alpine et Alpha. Alors c'est pas fait dans notre partie du championnat. On est 8ème, donc l'objectif est là, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais qui veut plus de vitesse de pointe. Je vais chercher des morceaux pour voir les limites de la voiture. Théo vient super long avant. Pas encore amélioré, mais il a un bon élan avant. Ok. Alors c'est pas trop ça pour Théo. Il va nous baisser celle-ci, donc
On va le faire rouler. Alors, plus de Vmax, la manne limitée, on va la descendre. Puis la déportance, je pense qu'on va la mettre par là. Voilà. Et pour lui qu'on avait, c'est pas fou non plus. Hormis qu'il nous avait dit qu'il fallait plus de vitesse de pointe. Peut-être travailler les tendres en vrai. Je sais plus combien il y avait de tours. On va travailler les tendres. 3 tours. Il y a 28 tours, je crois. Voilà, on va faire comme ça. On va travailler les tendres et puis course. Vitesse de pointe, mais c'est comme ça. Il va finir les pneus ultra tendres comme ça. Il va pleuvoir par contre. Il va pleuvoir. C'est mieux pour Mick, beaucoup mieux même. Alors peut-être un petit peu de humidité, mais ouais, on pourra voir. Non, on va pas faire beaucoup mieux. Du coup, il va pleuvoir. On va faire rouler à l'intérieur. Tu voulais plus de pneus, là. C'est bon, parfait Théo. Ok, c'est pas trop ça la voiture. Hop. C'est un peu mieux, mais bon, c'est pas fou. L'important c'était de l'autre côté. Bon, là c'était mauvais, donc il nous faut beaucoup plus de sous-virage. On va faire rouler en inter. Rilage course maximum. Il faut qu'il pleuve fort pour nous aider. Même si je pense que c'est qu'un essai. Le plus important c'est le rilage course interne. On va avoir un reliage course, plus intermédiaire, je pense pas. Donc on a un reliage course, donc c'est bien, c'est parfait. Autant on n'aura pas le plus intermédiaire. C'est par un réglage court, c'est ce qu'il nous fallait. J'ai dépensé moins d'argent en hélicoptère. Ça apporte des sponsors, un espèce de connard, hein, les hélicoptères. Malheureusement, ça apporte de l'argent, donc
pense que c'est déjà rentabilisé pour l'équipe. Espèce de sac à merde. Voilà. Du coup, on doit pas être très très loin. Très bon. Non, donc c'est plus. Magnimité, on doit pas être très loin. Et Déportance, très bon. Ouais, on doit pas être très loin non plus. On va essayer en rouge le pourri au premier tour. Le problème c'est que je pense pas pouvoir aller chercher de la maniabilité. Hein. Défoncer le pneu jaune histoire de voilà. Je pourrais aller tester la voiture et là malheureusement ce qui est un pneu qu'on peut vraiment défoncer. Bah les couilles. Hein. Juste pour dire on tente un report. Juste pour voir si la voiture est bien. Niveau réglage. C'est pas pour le record. Hein. Clairement pas. En théorie il va être à l'arrêt de toute manière. Non, c'est déjà pas trop mal, ouais. Pour des pneus pourris, c'est déjà pas mal, hein. Clairement. Voilà. On va laisser chauffer bien la piste. Comment sont les réglages, du coup? C'est parfait pour Mick. Et pour Théo, c'est mieux. Je sais pas si je pourrais aller faire beaucoup plus, hein, par contre. Maniabilité, comme la vitesse max est là, c'est chaud d'aller chercher la maniabilité, hein. En vrai. Ça va être aux limites des limites. Je sais pas si ça serait excellent, hein. Je peux aller jusque la grand max, hein. On va aller refaire un tour. Il a le temps de faire deux, je pense. On va partir avec 3 minutes pour Mick. Ouais, c'est pas génial, donc Schumacher risque de l'éliminer. Théo, il a peut-être le temps de faire un tour. Il a même largement le temps, je pense. Non, bon, il lâche au moins bon. Je pense que Mick va faire mieux. On va voir si Théo peut aller chercher un petit peu plus. Franchement, il manque pas grand-chose. Ouais, Mick c'est bien. Ah non, ce que Théo peut aller nous chercher deux places. Ah non. Ah, j'ai voulu regarder les réglages, mais c'est pas passé les réglages. Merde. Fait chier. Tout le monde est blessé en fin de saison, quoi. En tout cas, Mick il a du rythme. Et pas de doute là-dessus. Il a clairement du rythme, le jeune. Il a beaucoup de rythme. Attends, c'est dommage pour Théo. Hein. Il n'y a que Williams qui est là, il y a la bulle, il y a les deux Aston. Ça va baisser là, donc on va l'envoyer. Il va peut-être pleuvoir.
va peut-être pleuvoir, ce qui n'est pas... Ah, il va pleuvoir, c'est bien ça. J'espère qu'on a une bombe. Je pense que ouais, 3 minutes, c'est largement suffisant. Allez, dans ce tour rapide, là. Ok, c'est pas mal. Ça passe en Q3. Il est plus maintenant. Ça passe largement Q3. C'est dommage de commencer avec ces pneus là, mais bon, pas le choix de toute façon. La matière évidemment. Du coup, nos rivales se dégagent. Avec Red Bull, mais bon, Red Bull est là. A mon avis, on va rater la 7ème place, mais pas plus simple de toute manière. Sauf gros résultat qui nous remettrait dans la course. Dans la course, mais là, ouais. Ça me paraît compliqué. C'est déjà bien de voir que les voitures rentrent en Q3. Bon, il faut envoyer tout de suite là, il va, tant qu'il fait bon. Ça va être chaud, mais ouais, non, ça va, ça va. Que 9 minutes, ça va. Après, il va pleuvoir. Ok, on a un record. On va peut-être faire bon en fin de séance, mais bon. Je sais pas si on a envie d'aller claquer les pneus. Séché, donc peut-être il faudrait peut-être, non il n'y a pas tant d'adhérence que ça en vrai, non. Je sais pas si, non ce sera pas mieux, ce sera pas mieux, ils pourront pas faire mieux. Ah quoi que, ah merde, pourtant il n'y a pas d'adhérence. Ah, on va être sorti du top 4 vraiment. Ah ouais. Ah merde, comment ça se fait que ça s'est amélioré autant, hein, pourtant l'adhérence elle est nulle. L'adhérence est nulle part pourtant, ok. Bon après ils ont pas fait, ils n'avaient pas fait le tour rapide puis après, donc peut-être ça aussi, mais je me trouve un peu mieux là quand même. Bon après c'est pas grave, hein, mais là c'est déjà très ok. Ouais, elle forme une écriture qui vous repasse en F2 frère, tu vas pas être content. Ils vont retourner en F2. Du coup, est-ce qu'il va pleuvoir? Ouais, il va pleuvoir. Il va pleuvoir et pas qu'un peu. On part en inter. Ouais. On part en inter. Drôle de strat. Drôle de strat. Pouah, ça va être la bagarre là. Ouais, il pleut pas donc ça va être chaud en vrai. Hein. Donc, pas le choix. Oh, what the fuck, la Mercedes. Ah non, c'est une Red Bull qui a pris un départ canon là. What the fuck, il a perdu, il a doublé tout le monde. C'est pas trop lui est sorti, mais il a doublé tout le monde. Ok. Pourquoi pas, hein. Allez, mon Schumacher. Tout, il y a la bagarre derrière qui nous bat. Sur l'AlphaTauri. Ah, Théo, non, c'est bon, hein, sur la pluie. Hein. Encore une fois. Ça va être celui qui va préserver les pneus puis les mettre au bon moment les autres.
Là plutôt, hein, c'est ça. Là, il va y avoir beaucoup d'eau là. Tu sais où il remonte bien, c'est bien. Je regarde mieux, mais la Théo remonte. Théo, normalement, il est bon sur la plaine. Il a eu un stage là pour être bon sur la plaine, normalement. Oh, accident d'Alonso, et 6 voitures de sécurité. Ok, bah, il faut pas que ça. Alors, est-ce qu'il y aura de la pluie encore en fin de course? Ça va en question. Et là, j'imagine qu'il faut box dans tous les cas. Le temps qu'elle se barre, il y aura plus d'eau. Pense. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Ça finira pas les courses, hein, ça. Ça non plus. Je mets de les rouges. Je mets de les rouges et on finira avec les violets. Chose à faire, je pense. Si ça boxe pas, par contre, on est sur une très très bonne strat. Je pense. Je sais pas si ça va boxe, ça boxe. Ça va forcément boxe. Il y en a qui ont mis des jaunes, mais ça n'ira pas au bout. Ouah, ceux qui sont pas rentrés, par contre, vous foutez à bordel. Vous foutez un bordel là, ceux qui sont pas rentrés. Ah ouais, c'est trop tard maintenant, je pense, pour rentrer. Oh, ça va être le chaos à la reprise. Mais on tient peut-être un top 6 déjà. 6 et 7 même. Si on peut aller chercher Bamber déjà, qui est avec des mauvais pneus. Il y a moyen de faire quelque chose, les gars. Il y a vraiment moyen de faire un truc. Parce que là, si ça boxe, c'est déjà trop tard en fait. Ah, ça boxe. Je crois que ça boxe, non? Ah non, pas du tout. Ah si, Tsunoda. Tsunoda qui a boxe. C'est le chaos, hein. Ça va être le chaos. On va se mettre en agressif, hein, le départ. Pour la reprise de la course. Ah ouais, ils sont obligés de boxe en devant. Ils sont obligés d'aller boxe. Et là, ils ont perdu un temps assez colossal. Les 5 et 6, faudrait que Schumacher il arrive à remonter un double bumper là sur la McLaren. Il va aller rechercher Théo, bien joué. Attends, parce que pas de bagarre. Multi 12 plutôt. Voilà. Pas de bagarre, le frère, pas de bagarre. Oh putain, mais qu'est-ce que vous branlez? Qu'est-ce que vous branlez, putain? Il n'y avait pas de bagarre. Bordel de merde. Le mec qui va chercher Albon, bien joué. Très très bien joué. Allez, t'es où là? Putain, c'est terrible, comme deux voitures se battent là, c'était pas nécessaire. C'était absolument pas nécessaire. Chercher Bomber, hein, ce que je te dis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? 1004ème, ça c'est très très bien. Je suis pas sûr qu'on puisse aller vraiment chercher plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Il reste 13 tours. Allez, Théo, là, bouge-toi le cul, merde. Putain, on avait le 5 et 6 là. Allez Théo, allez, 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 allez.
Ah, elle a détruit son essence, frère. Obligé de se concentrer sur la coupe de Mick. Théo nous a fait des dingueries encore. Alors, voilà, Tom Morlap. Puis on va mettre les ceux-là. Je sais que les plus changées, pas de problème. Si on se déroule par les points, on va mieux. Elle est rebleue par contre. Elle va repleuvoir. C'est peut-être le moment de remettre des inter du coup en fait. J'avais pas fait gaffe à cette solution, mais. Il va peut-être repleuvoir. Enfin, il va repleuvoir, c'est même sûr. Donc, dans tous les cas, c'est ce qu'on va faire. C'est le meilleur moment, je pense. Mickey est 7ème. Non, défoncez pas les pneus les gars, surtout. 18-4, 18-3. Ah, ça va être chaud là. Les mecs vont conserver leurs pneus, mais je pense que ça va le faire. Ah, les clairs, ils sont à l'arrêt, tout ça. Ils sont à l'arrêt. Ah, il peut peut-être faire un truc qui est haut là. Quatrième, Mick, bien joué. On va se retrouver troisième avec Mick, elle s'en est troisième. Il reste Perez et Bomber là. Faut que t'ailles me les chercher, frérot. Ah, c'est ton moment de gloire. Hein. Ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Allez, allez, allez. Yes. On va reprendre peut-être quelques points à Red Bull, mais surtout aux autres. Maintenant, il faut garder le clair derrière. C'est le dernier tour, l'avant-dernier tour. Il faut garder Charles derrière. La troisième va jouer ça. Troisième et sixième, nice. Voilà des points. Bon, on n'aura pas le meilleur tour, mais voilà, ça c'est des points. Et ça c'est très très bien pour reprendre l'avance sur Williams et Aston. Exactement ce qu'on avait besoin. Ah, il nous manquait un tour hein, pour aller chercher les deux Mercedes. Franchement, il me manquait un tour. Yes! Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et en plus, il y a un sponsor qui va arriver là, ça va être parfait. C'est parfait. Plus le fric de BWT. Oh oui. Oh, Ricardo. 10 secondes de pénalité. Ah, bah, d'accord. Super. C'est 1 et 4 points, ouais, c'est la même chose que Red Bull. Et un nouveau podium. Un nouveau podium, les gars. Bien joué, ça. Et on est repassé 6ème. On est à 3 points d'Aston. Bon, Red Bull n'est pas prenable. Clairement. Mais on a repris la 7ème place et c'est possible qu'on aille chercher encore la 6ème. Ça, c'est bien. Maintenant, il faut rester devant Williams. Il reste deux week-ends, il faut qu'on reste devant Williams. Ça va être assez primordial.
Oh, ça c'est bon, ça c'est bon. Peut-être qu'on finira tout à l'heure le jeu, enfin la saison. Ah, ça s'est fait plaisir. Immortéo, ça fait plaisir. Stratégie parfaite. En vrai, on pouvait presque gagner la course, je pense. Un ou deux tours, on aurait peut-être pu gagner la course. La valeur commerciale, ça a peut-être monté, hein. Il est quasiment 90%, c'est bien. Leclerc qui garde l'avance, bien évidemment. Considération d'autres offres. Alors. Non, les deux pilotes, ils sont très très bien. Ah oui, non, mais t'as pas du tout de moral en fait, Théo. La roustan parfait, les gars. Très très bien. Ouais, il m'intéresse pas ce mec. Hein. Ouais, en plus, il est pas mal, ouais. Bon, pareil, enfin, il doit perdre. Ouais, avec l'âge, enfin, c'est pas intéressant, je pense. L'équipe des Broustons, elle a fait un super travail, évidemment. C'est parfait. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Et on ne veut pas. Puis on va signer normalement un prochain sponsor très bientôt. Ouais. Alors, dis-moi qu'il y a du fric. Ah, c'est pas fou quand même. 10e ou mieux pour 95 000, c'est faisable en vrai. Mais bon, ça nous donne tellement pas de fric que je crois qu'on va aller du côté de mal. Hein. Dans tous les cas, ouais. 23 courses. Ouais, Pirelli. Au pneu pourri, on n'en veut pas son autre voiture. Hein. Pas vous mentir. Bon, DHL sont là pour un moment aussi, mais vous mettez aussi. 3 millions, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. L'objectif, rapport sur une course, note, quartier général. Ah oui, c'est déjà signé. Ce qu'il considère comme un manque d'opportunité insultant. Remplaçant frustré. Frère. Excellent, tu es comme ça. Frère, pour le moment, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'opportunité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, elle arrivera après la transmission, c'est dommage. C'est dommage, mais après, ce sera la dernière manche, donc il faudra finir le milieu de transmission. Et puis ça aussi, ça arrive après la course. On aurait déjà celle-là transmission, mais si on arrive à en faire une deuxième d'ici la fin de la saison, ça serait parfait. On va arriver un peu tard. On a quand même un gros élan avant. Hein. En vrai. Mercedes en accélération. Red Bull dans le test max. On arrive au bout de la saison, on la finira sûrement la prochaine fois. Je pense pas que je puisse lancer quelque chose au siège, hein, malheureusement. 10 millions, c'est pas beaucoup. Non, ça va être chaud. Hein. Ils sont sur du personnel encore, mais.
Oui, il faudra clairement. 30 millions, c'est assez un prix quand même. Mais bon. Plus 15 au personnel de grande pièce, c'est quand même pas rien. Et l'atelier de conception. Après ça, ça va bientôt être bon. La piste, ouais, il faudra le faire parce que ça va être la meilleure chose qu'on va avoir, la piste, mais bon, ça coûte tellement cher. Je sais pas si on aura une énorme entrée d'argent d'ici la fin, donc là. Je vais pas me donner l'argent enculé. Ça va, on est en positif quand même. Ouais, on a fait un plus 80 millions. Ça va. Un peu plus de 80 millions même. 80, 87, 88 millions. Même peut-être un peu plus. UBWT nous a donné pas mal de choses. Du coup, il reste deux courses. Sydney va pleuvoir, mais il ne pleuvra pas sur la mer à doigts. Sydney, 27 tours. Essentiel, large FMBPS, accélération et vitesse max. Ok. Ok, ok. Et puis les sponsors, du coup, le prochain sera Rich Energy qui dégage. Bombardier dégagera dans la saison, puis Honda. Honda qui nous avait donné pas mal de fric, hein, donc. C'est bien. Mal aussi dégageront avant la fin de la prochaine saison. Ah non, peut-être non. Mais Mal, ils seront encore là pour la saison 5. WT aussi, puis DHL, ils sont là pour 3 saisons faciles. Mais bon, DHL donne quand même pas mal de thunes. Hein. 175 000 par course, c'est quand même pas négligeable. Puis ils nous donnent un peu de fric, WT, c'est bien aussi. Au final, ils nous ont donné un bon million. Je crois qu'on a fait 4 podiums, donc. Je crois qu'ils nous ont donné un bon million sur cette saison finalement. On a fait quand même 4 podiums, c'est pas mal. Hein. 11 et 14, on est bien remonté. Hein. Théo devant Max et Lewis. Est-ce que. Non, l'Alpine elle est toujours derrière. Hein. Ah, quoique. Ouais, l'Alpine elle est toujours devant. L'Alpine elle est toujours devant. Ouais, elle est toujours devant l'Alpine. Pour quelques points. Aston est prenable, Red Bull ça va être chaud. Hein. À moins d'une disaster class de Red Bull, ils seront pas prenables, ils vont rester là où ils sont. Aston, c'est encore faisable. Red Bull, ils ont pas gagné de course, ils sont réguliers. Ils sont réguliers, puis j'espère qu'on pourra gagner au moins une course l'année prochaine. Puis Williams, c'est encore prenable en vrai. On est repassé devant, donc ça c'est très très bon. Je rappelle, ouais, il y a quand même une grosse dotation, donc dans la saison 2023 aussi. Il y a quand même une grosse dotation, donc plus on sera haut, mieux ça sera. J'espère qu'on pourra battre Aston. Voilà. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Moi oui, en tout cas, on a fait des bons résultats. Enfin, Théo qui s'est un petit peu réveillé, qui a fait. Enfin, on avait une bonne stratégie aussi. Donc ça s'est bien passé. Puis j'espère que ça se passera bien à Sydney, puis à Doha. Qu'on reste devant Aston Martin, au moins. Enfin, qu'on aille les chercher, il manque 3 points, quoi. Et puis, il y a surtout rester devant Williams. Voilà. Merci à vous, du coup, les amis. Je vais quitter le jeu, et puis, bah, j'espère que ça vous aura plu. Non, on a quand même perdu une place au championnat pilote. Mais Météo est 14, donc ça pas mal. Ouais, Clément, il est 21ème, bien évidemment. Il a peut-être fait une course, Clément, quand même. Peut-être à un moment, je sais plus. Bon. Écoutez, merci à vous, et à la prochaine!